Et bonjour à toutes et à tous. On se retrouve sur Silent Hill 2 sur PS5. Je regarde, parce qu'au moment où j'ai appuyé sur le bouton, j'ai un chat qui est rentré, qui est passé entre tous les câbles que j'ai au pied. Et je vous avoue que j'ai eu un petit peu peur. Donc on se retrouve sur Silent Hill 2 sur PS5. Je n'ai jamais joué à Silent Hill 2, la version d'origine. Je suis pas très très grand fan de ce type de jeu, surtout à l'époque, les Resident Evil, tout ça, j'étais pas très fan du gameplay et tout, ça me plaisait pas trop. Donc j'ai joué un petit peu à ces jeux-là, mais pas tout, c'est pas trop. On va se découvrir ça, je remercie Konami pour l'envoi du jeu, de la clé, en version Deluxe en plus, donc je les remercie. C'est grâce à eux qu'on va pouvoir découvrir ça. Dans les paramètres, il y a un mode... comme d'habitude, en mode résolution, en mode performance. Je me suis mis en mode performance, comme je le fais très souvent. On va... Il y a aussi ce mode-là, le mode années 90 et le mode normal. On va laisser comme ça. Ah oui, j'ai eu, du coup, vu que j'ai la version Deluxe, j'ai ce truc, mais on va pas le mettre. On va laisser les difficultés en standard. Et on va y aller, parce que je sais pas trop à quoi m'attendre en termes de difficulté. Il y a les voix, du coup, en anglais ou en japonais. J'ai mis anglais, du coup. C'est un sacrilège pour certains, mais j'ai mis en anglais. Donc, le jeu sort sur PC et PS5. Je pense que je vais vous reprendre après, parce que visiblement c'est une cinématique. Restless dreams, I see that town. Silent Hill. You promised you'd take me there again someday. But you never did. Well, I'm alone there now. In our special place. Waiting for you. Disease 3 years ago. So then why am I looking for her? Our special place. What could she mean? This whole town was our special place. Could Mary really be here? Is she really alive? Waiting for me?
Alors, ça y est, on peut jouer. On va éviter de faire la connerie d'oublier de rappuyer sur le bouton du micro. Hein. Donc on est sur Unreal Engine. J'imagine que c'est le 5, mais j'en suis pas sûr. Donc là, on est sur le mode performance pour rester à 60 images secondes. En espérant que ça reste à 60 images secondes, que ce soit fluide. Eh, d'accord. On peut pas courir. Là, on se retourne vite. Ok. Donc, pour l'instant, je peux pas faire grand-chose. Est-ce que je vais dans la bonne direction? Oui. J'imagine qu'il faut aller au cimetière. Pour le moment, je peux pas faire plus que ça. Donc, c'est un remake. Hein. Là, pour le coup, on n'est pas sur une simple remasterisation. Hein. Là, on est vraiment sur un jeu complètement retapé. Il y a quand même des beaux détails au sol. Hein. Je ne sais pas ce que ça va donner dans la capture. J'espère que ça va être bien. Normalement, oui. Il y a des beaux détails au sol et tout. De toute façon, l'Unreal Engine, moi, personnellement, c'est un moteur que j'aime bien. Mais après, ils en foutent un peu, selon comment il est utilisé, ils en foutent un peu plein la tronche. Ça, c'est pour esquiver. Ok. Il n'y a pas moyen de courir. Bon, pour l'instant, de toute façon, j'imagine que c'est scripté. Hein. Mais moi, c'est un moteur que j'aime bien, même si, ouais, selon certains... Selon les jeux, les effets qui sont utilisés et tout, vous pouvez en prendre plein la gueule en permanence et parfois c'est peut-être un peu trop. C'est vraiment pour en mettre plein la tronche. Mais globalement j'aime. Pardon, j'aime bien. Et ça fait plaisir. De pouvoir essayer le jeu aujourd'hui. On verra en fin de semaine. J'attends aussi une réponse pour le jeu Starship Troopers qui va sortir en fin de semaine. Donc, j'ai entendu des trucs tomber. Donc, écoutez, on va voir. Est-ce que je pourrais vous en faire une vidéo ou pas? Et puis, la semaine prochaine, il y aura Mario Party. J'ai des vibrations là dans la manette en plus. Il y a des vibrations visiblement. Les vibrations haptiques sont prises en charge avec la manette de la PS5. Après, vous me direz, le jeu sort pas sur Xbox, donc. La semaine prochaine, il y aura Mario Party. Je sais pas comment je vais le faire encore. Parce qu'il sort le 17. Mais moi, en fait, dès le 18, je vais pas vous raconter ma vie, mais dès le 18, je pars, en fait, je travaille pas. Le petit sort de l'école, c'est les vacances scolaires, on s'en va tout le week-end, on rentre que le dimanche, donc je sais pas comment... parce que je peux vous faire la vidéo tout seul, mais c'est vrai qu'un Mario Party tout seul, ça va être un peu moins rigolo. Donc je sais pas. Peut-être que je ferai la vidéo tout seul, puis que j'en referai une autre avec tout le monde après. Ah, c'est pour sauvegarder ça, d'accord. On va le faire, parce que s'il nous propose de le faire... C'est qu'à un moment donné, ça va craindre un peu, peut-être. En tout cas, voilà, pour le programme, il y aura peut-être Starship Troopers en fin de semaine. Et sinon, ce sera Mario Party la semaine prochaine. Je sais pas dans quelle configuration. Je sais pas si je le ferai tout seul ou pas. Mais en tout cas, il y aura, ça c'est sûr. Oh, c'est quand même... Regardez. Je sais, je suis bloqué là-dessus. Mais des fois, c'est des détails comme ça qui me... C'est quand même bien détaillé. Après, j'ai l'impression qu'il faudrait pas trop zoomer non plus. Ici, là, par exemple. Mais bon, globalement, on n'a pas besoin de zoomer, là. Là-dessus. Donc...
excuse me. I'm sorry. I was just... Hey, it's okay. I didn't mean to scare you. I'm kind of lost. Lost? Yeah. I'm looking for Silent Hill. Is this the right way? Yeah. It's hard to see with this fog, but there's only the one road. You can't miss it. Thanks. But... I think you should stay away. This town, there's something wrong with it. And it's not just the fog, either. Is it dangerous? Maybe. It's kind of hard to explain, but... I'll be careful. I'm not lying. No, I believe you. It's just... I guess I don't really care if it's dangerous or not. I'm going either way. But why? I'm looking for... someone. Someone very important to me. Me too. I'm looking for my mama. I mean, my mother. It's been so long since I've seen her. I thought my father and brother were here, but I can't find them either. I'm sorry, it's not your problem. No, I hope you find them. Yeah, you too. Tac, c'est parti. Bon. La jeune fille, elle a dit... Tout droit. Par ici. Je crois que je peux toujours pas marcher plus vite. Ça, c'est pour me retourner. Ça, c'est assez pratique, mais ça, ça augure d'un gameplay... À la... Resident Evil, là, les derniers, le 4, tout ça. Enfin, les derniers, je vous dis les derniers, le 4. Vous m'avez compris. Le 5, le 6, tout ça. Là. Que je trouve hyper lourdeau. Personnellement. Je sais que je vais pas me faire que des amis en critiquant ça, mais... Il y a des trucs chelous, déjà, là. Déjà, l'ambiance. Puis... J'ai entendu des petits bruits. Et j'ai qu'une seule oreillette, hein, en plus. Et malgré ça... j'ai entendu des petits bruits. Je parle volontairement doucement aussi. Hein, histoire que... On reste dans l'ambiance. Déjà, je gueule pas en général, moi, dans les vidéos. Mais là, c'est histoire qu'on reste dans l'ambiance. C'est peut-être un peu ma marque à moi aussi, c'est que contrairement à beaucoup aujourd'hui, avec les montages explosifs dans tous les sens, les mecs qui gueulent, qui forcent à mort et tout, pour surréagir, pour gueuler, bon. Voilà, moi je suis un peu tout l'inverse de ça. Alors il y a sûrement des gens qui aiment pas, hein, mais ça va plaire à tout le monde, et puis moi je force pas surtout, je suis comme ça naturellement. Dans la vie j'aime bien qu'on me remarque pas, moi je suis quelqu'un de discret. Bordel. Cette ambiance, elle me fout déjà mal. Il y a la ranch, là. Avec l'espèce de musique en fond, là. Et tous les petits bruits. Est-ce qu'on peut s'en aller? S'il vous plaît. Parce que là, je suis vraiment pas... De toute façon, vous le savez, hein, pour ceux qui me suivent, je suis pas à l'aise avec les jeux un peu... Quand on a fait Steel Wake the Deep,
c'est pareil, quand il y a l'autre qui commençait à faire des, à rigoler, à faire des trucs chelous et tout, qu'il fallait pas se faire voir, machin, je commençais à pas être à l'aise déjà avec le truc. Mais de temps en temps, j'aime bien me faire du mal, donc... Il y a une époque où je faisais des vidéos spéciales Halloween, souvent, le 31. Et je faisais que des... Je faisais des jeux à la con, comme ça, où j'étais pas bien. Mais c'était pour le fun. Et à l'époque, je mettais pas de caméra, et souvent, j'en mettais une pour ces vidéos-là. Moi, je suis désolé, il se passe pas grand-chose. Hein. C'est le début du jeu en même temps. Par contre, on est vraiment très lent. Voilà. Évidemment, il fait bien noir. Allez, on se tire de là-dedans. Quand je vous dis que je suis vraiment pas à l'aise, ça me fout déjà la pression de me retrouver dans le noir. Mais elle fait flipper vraiment cette ville. Je suis désolé, tu traverses comme j'ai traversé là. Il n'y a pas un bruit, il n'y a pas une vie, il n'y a rien. Moi personnellement, je fais demi-tour, je me tire quoi. C'est pas normal. C'est pas normal. Y a pas une personne vivante là-dedans. Tout est fermé, ouais, y a des cadenas partout. Mais y a pas un être humain. Y a pas une vie depuis tout à l'heure. Moi je comprends la nana. Hein. Faut pas y aller, c'est chelou comme endroit. Bah oui, effectivement. C'est quand même très chelou. Puis il y a des bruits en plus partout avec le vent et tout ça. Puis j'ai pas du tout regardé de vidéos ou autre pour pas me spoil du coup. Je voulais vraiment chier dans mon froc jusqu'au bout. Donc là, je sais vraiment pas à quoi m'attendre parce que j'ai pas du tout regardé de vidéo ou quoi. On a trouvé une carte un peu plus complète. Bon. Mais je sais toujours pas où je dois aller. Hein. Ok. Ok. Bon, on a une carte un peu plus complète, mais... Examiner, lire. Ok. Et leur lieu à eux, qu'est-ce que c'est? C'est marqué quelque part? Non. Bon bah on va avancer, je suis désolé, hein. Il y a peut-être quelque chose de bien précis à faire, mais... Mais là, moi, je ne sais pas. On va aller de l'autre côté, déjà. Après, je verrai si je fais des cuts ou pas. Là, je suis désolé, mais non, cette ville a fait flipper. Mais qu'est-ce que c'est
Ça ressemble quand même un peu à des traces de sang, hein. Mais bon, bah comme je suis un peu con... Ça a l'air d'aller par là, donc on va aller par là. Je suis vraiment pas familier avec la série et tout ça, donc je sais pas. S'il faut rentrer dans les bâtiments, s'il faut continuer son chemin et que pour l'instant c'est scripté, j'en ai aucune idée. Ah. Hey! Wait. Bah non. Stuff. Allez. Allons droit vers la mort. Putain. En tout cas, l'ambiance sonore, elle est plutôt pas mal. Je sais pas si c'était comme ça à l'époque, mais. Bah, sûrement pas autant qu'aujourd'hui, parce qu'il n'y avait pas les mêmes moyens. Et donc là, on fait quoi? On descend dans le trou? Quoi? Non. Hein. On descend pas dans le trou, on est d'accord. Mais là, en fait, c'est-à-dire qu'il y a un autre trou aussi de l'autre côté. Moyen de descendre sur les tuyaux. D'aller par là, non. Non, je pense que c'est cuit. Qu'est-ce qui est arrivé à cette ville qu'il a dit? Bah, la mort, hein. Je te dis, au bout d'un moment... Zone fermée suite à un accident. Toute infraction expose à des blessures ou à la mort. Ah, comme ça, c'est... C'est clair. Mais regardez, en fait, toutes les rues, là, elles sont bloquées. On va faire un grand tour. Oh là là. Ça me fout des frissons dans le dos, cette ambiance. C'est vraiment pas mon truc à moi. Merde, moi j'aime bien les trucs rigolos. Hein. Je sais pas dans quoi je m'embarque. Depuis que j'ai cette chaîne, ça fait longtemps, hein, mais... embarque dans des trucs, bordel, je comprends pas pourquoi je fais ça. Toutes les rues sont bloquées là. Toutes les rues sont bouchées. Alors, Madame Cassandra, un client est venu aujourd'hui à commander un bouquet de roses rouges et blanches. J'ai tenté de lui dire que cette association portait malheur, mais il n'arrivait pas à se décider. Il semblait ailleurs et me regardait comme si je n'étais pas là. Puis il est parti en disant qu'il repasserait les chercher plus tard. Je voulais vous prévenir, car je ne serai sûrement pas là quand il repassera.
Bon. Il y a une grosse bête qui est passée. Ok, bon. Continuons. Hein. De toute façon, je peux pas continuer en face. C'est ici qu'il y a ces machins par terre, donc. J'imagine que c'est par là qu'il faut aller. Hein. Moi, je cours comme ça. C'est... On voit que je sais pas à quoi m'attendre parce que je cours comme ça tout droit. Là. Ça se trouve... Faut surtout pas faire ça. Putain, il y a des bruits chelous. Faut être serein quand même, hein. Une petite ruelle là. On peut y aller ou comment ça se passe? Putain, je suis en train de faire la plus grosse connerie de ma vie. Oh là là. Il y a des bruits chelous. C'est de pire en pire. Je me sens pas bien. Je suis désolé, je suis vraiment pas fan de ce genre de truc. Mon dieu. Qu'on va se faire attaquer par un truc bientôt. Quand t'entends des bruits aussi chelous, qu'il y a des traces comme ça par terre, que tu dis 8 fois hello. Et que personne te répond, bon. À un moment... Il y a moyen de... De ramasser quelque chose... Pour se taper. Oui, quelle bonne idée. Oh putain. Bon, je, définitivement, je vous le dis, je ferai un gros cut parce que j'ai un peu tourné en rond quand même. Avant d'arriver là. Donc, j'ai pas envie que la vidéo dure 3 heures non plus. Et bon, vu le temps où j'ai tourné en rond, ça va être emmerdant pour vous. Il y a toujours pas moyen de trouver un truc qui peut servir... À se défendre un minimum, hein. Oh là 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 là. Je me sens pas bien quand je joue à ce genre de truc. Je vous jure que je me sens pas bien. Je parle plus doucement là, d'un seul coup. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Mais comment font les gens qui regardent ce genre de film, qui jouent à ce genre de truc? Comment vous faites tout le temps là?
Personnellement, j'aurais fait ça dès le début. Hein, de ramasser. Il y a du son dans la manette, hein, donc si vous entendez du bruit. Reste par terre, cet enculé. Personnellement, ramasser un truc pour taper, je l'aurais fait dès le début. Ah non ? Bah non, bien joué, mon gars. C'est un suppôt de Satan, le truc. Non, c'est pas humain, ça, on est bien d'accord. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Seringue, ok. C'est pas humain qu'il a dit le truc, bah non, non, ça. Ça va être un peu perturbant quand même, hein. Faut pas se mentir. Si j'ai toujours mon bâton là. Parce que je suis sûr que des suppôts de Satan, il y en a d'autres. C'est où ? Ouais. Oh putain. Ça, il y a des points de sauvegarde un peu partout, mais bon, c'est pareil, c'est des points de sauvegarde, c'est un peu à l'ancienne, quoi. Ah, et cette ambiance sonore, là, ça... Ça me fout mal à l'aise. Il y a des bruits dans la manette. Aussi. Là-bas. Il y a un suppôt de Satan qui arrive. Je vais les appeler comme ça, je suis désolé. Je rigole sur des trucs. On est sur un jeu sérieux, mais... Ouais, quand on s'en approche, il y a des bruits dans la manette. Petit enculé. Allez, va mourir. Petit bâtard. Voilà, qu'est-ce qu'il fait ? Il vomit, le con. Je pense que c'est bon. C'est revigorant. Putain. Il y a un truc qui est entouré, là. Le bar. Oh là là. Oh, putain. En fait, j'ai l'impression que quand... Si on a un qui s'approche, on a le son dans la manette.
Oh putain. C'est quoi ce machin? Tu m'angoisses trop, toi. Je préfère te voir mort. Alors, bien sûr, cette phrase n'est à pas sortir de son contexte, hein. Tu m'angoisses, je préfère te voir mort. Je... Évidemment, je n'agis pas comme ça dans la vie, hein. Alors... Je ne sais pas ce qui lui a pris, il s'est mis à éclater ce truc, j'ai dû le jeter dehors, il a filé en hurlant qu'il allait tout réparer. J'ai récupéré ce que j'ai pu, mais il me manque l'un des boutons, la moitié du vinyle est encore à l'intérieur, mais l'autre partie a disparu, il a dû l'emporter, quand j'y pense, il a couru en direction du Groovy. Bon, je devrais peut-être aller voir comment il va. Il vit dans Soul Street, près de la pharmacie, appartement 9. Ok, je suis désolé, j'ai le hook à moitié. Vous allez voir la 43 minutes, vous verrez que vous sur la vidéo, vous ne serez pas à 43 minutes. Hein. Je vais faire des cuts, hein. Bien sûr. Putain, l'ambiance est quand même particulière. Hein. Bon, je le savais ça par contre, mais quand même. Le vinyle en question. Pas sélectionner un petit vinyle là. Dommage. Il y a une porte là. Ensuite, faut que j'aille à la résidence. Ok. Du coup. Mais bon, quand on voit ces machins là partout, on se doute bien qu'il est arrivé, il est pas arrivé des trucs cool à qui que ce soit dans cet endroit. On a un autre là-bas. Résidence de Sol machin, c'est ça. Il y a la pharmacie là. La résidence, elle est là. Je me méfie parce que je sais pas vraiment si ça me voit ces trucs-là ou pas. Laisser sa clé chute qui viendrait d'en haut à vérifier. Voilà. J'aime pas parce que là j'ai des bruits dans la manette. Il y a quelque chose à l'intérieur là. Il y a quelque chose de pas cool à l'intérieur. Putain, je suis fait attaquer par quoi là? Il y a quelque chose, vous l'entendez? Je pense que vous entendez la manette. Hein. Il y a quelque chose de pas cool en bas. Il est où le 9? Il est là-haut.
Oh putain, j'aime pas ça. Je me sens pas bien. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. On va pas trop traîner, hein, je vous le dis. Hein. Cette vidéo va pas durer 3 heures non plus. Parce que... Oh putain. Chaque fois que je rentre dans quelque chose, je me dis mais quelle idée de con. Je sais que ça vient de cet appartement, j'arrête pas de leur dire pourquoi ne réagissent-ils pas, c'est insupportable, j'ai l'impression que ça se faufile sous ma peau, que ça s'infiltre dans mes poumons. Et les locataires en question, où est-ce qu'ils sont? C'est ces petites merdes là. C'est ça qui m'a attaqué tout à l'heure là. En fait. Après, on avait les clés de l'appartement numéro 5. C'était marqué qu'il avait laissé la clé. On peut rentrer par là? On va redescendre. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Là-bas. Espèce de petite merde. C'est toi, je vais peut-être pouvoir le pousser, le truc. Et si je veux le tirer? Ah, si. Voilà. De l'appartement 5. Ouais, je pense qu'on va pas aller beaucoup plus loin, hein, de toute façon. La vidéo est assez longue, je vais pas trop vous en montrer. Je sais qu'on n'a pas vu énormément de choses, mais c'est pour vous donner une idée de ce à quoi ça ressemble dans ce remake. On va pas aller plus loin que ça. Je vous remercie. Je remercie encore une fois de plus Konami pour l'envoi du jeu en version Deluxe et puis pour l'envoi du jeu tout court d'ailleurs. Et je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous.